Salut Tata. Salut monsieur. Comment tu vas? Ça va, et chez vous? Tu vas bien, je vais bien. Ok, alhamdulillah. Surtout quand je tombe sur de belles filles, je vais bien. Ah, ok, pas de problème. T'appelles? Aïchabi. Aïchabi. Tu es musulmane? Oui, musulmane 100%. 100%. Aïchabi, tu es en couple et toi célibataire? Je suis couple batté. J'ai pas entendu. Couple batté. Ça veut dire quoi, couple batté? Un pied devant, un pied derrière. Est-ce que tu peux bien expliquer ce que tu dis? Ah, on dit un pied dedans là, et que le pied est devant et l'autre en arrière. Donc, si je comprends bien, tu es à moitié célibataire, à moitié. Pourquoi c'est le cas? C'est le cas parce que les hommes d'aujourd'hui, là, rien que la trahison. Même nous, les filles, sont trahies. Donc, pour avoir la confiance, il n'y a plus ça même. Un peu, 50% de confiance, 50% de détaillement. Par le passé, tu avais sorti avec un homme. Mon passé, c'était amer comme même le mois à l'ouest. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de bon. Tout allait bien, après un pas. On décale. Mais tu as été couple batté dedans, c'est pourquoi vous avez rompu. Non. Je suis même en couple, même là. C'est en couple même. Tout allait bien. Jusqu'à ce que. Jusqu'à le diable est rentré dedans. Le diable est venu de quel côté? Du côté de l'homme ou bien de ton côté? Les deux côtés. Ah. J'ai fait mon erreur, il a fait son erreur aussi. Aujourd'hui, tu regrettes? Je ne regrette pas, il regrette actuellement. Parce que tu es en couple, il y a de nombreuses personnes qui te regardent actuellement. Et qui souhaiterait déposer leur candidature. Tu en dis quoi? Candidature? Pour leur dire que maintenant, je veux pas de l'argent ou rien. L'argent. Mais ils ont l'argent. Non, je ne veux pas l'argent. C'est l'argent que moi je veux, c'est au fond du cœur là-bas. S'ils sont prêts, sérieux ici là. Tu es en train de dire comme ça que tu veux des hommes sérieux. Ouais. J'ai envie de te demander en même temps quel est le genre de mec que tu veux. Ah, le genre de mec. Un mec sérieux. Quand on dit sérieux, tout le monde n'est pas sérieux, tout le monde n'est pas passé exactement. Mais à moins un bon cœur, respectueux, surtout l'islam, oui, la religion avant tout. Tu veux dire que. Si la personne n'est pas musulmane, tu vas rester avec tomber, elle. Mais là, il y a les conditions. Donc si les catholiques veulent de toi, veulent de ton cœur, ah, il y a des conditions que tu fasses. Quelles sont ces conditions? Si c'est pour le mariage, il va se convertir. Obligatoire, ça c'est écrit quelque part. Non négociable. Non négociable. En dehors de ces critères-là, tu veux quel genre de critères? Pour le futur mari. Mon futur mari. Il doit avoir de l'argent? Pas trop, moins. J'ai trop d'argent là. On met les yeux dessus. J'imagine que tu quittais ici et tu tombes sur un mec. Très beau, qui respecte tes critères, tes conditions, mais qui l'a dit à deux femmes ou une femme? Oui, notre religion me m'a dit, l'homme a droit à quatre femmes. Tu peux être la troisième pour avoir la paix, tu peux être la quatrième pour avoir la paix aussi. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc la polygamie, ça ne te dérange pas du tout? Non. Maintenant, tu tombes sur l'homme en question, d'accord? Il a tout, mais il ne croit pas bien au lit. Hey, là, il y a problème, hein? Oh, là. On va faire bagarre, hein? Même pharmacie va nous connaître. Ouais. Ça va chauffer. Trop chauffé même, parce que là, on doit faire sortir les filles, quoi. Waouh. Pour montrer que oui, vraiment, tout fonctionne. On doit bien t'allumer, c'est ça, non? Oui. Maintenant, il n'y a pas une solution à chercher si le mec n'arrive pas à bien assumer, plutôt que de dire non. Tout problème a une solution dans la vie. C'est mon homme et c'est mon goût. S'il y a l'amour, vraiment, on cherche toutes les solutions. Maintenant, admettons que vous avez cherché toutes les solutions, ça ne passe pas. Tu vas rester dedans? Je vais rester. Si tu n'es pas satisfaite, tu vas rester ou bien tu vas partir? C'est pour le pire et pour le reste. Tu vas rester? Je vais rester. Mais tu n'arrives pas à être satisfaite, tu vas rester dedans? Je vais rester. Pourquoi les bros qui les... Aïe. Ils ont mis YouTube en l'air. C'est pas vous les idées, non? Ouais, ça c'est pas un problème. Ah bon? Oui. Je suis pas le très chef quand... Ou bien tu vas rester dedans, tu vas également même pas derrière. Que Dieu me préserve. Okay. Pour le bien de mes enfants, ils ne peuvent jamais faire ça. Même si tu n'es pas satisfaite, tu restes dedans. Je reste dedans. Lui-même, il sait que oui, il y a l'effort à faire. Maintenant, pour finir, est-ce que toi, tu aimes le sexe avant le mariage ou bien après le mariage? Deux conditions là. Je veux que peu dire avant, j'aime le sexe avant le mariage. Même maintenant, le sexe ne m'intéresse plus. Ouais, je peux aller au sexe avant le mariage, mais c'est des hommes d'aujourd'hui actuellement. Quand ils te trouvent un, deux là, tu n'es plus... Là, tu tombes sur l'homme qui veut vraiment de toi, mais il dit qu'il a envie de goûter avant le mariage. Il recule, là, je vais reculer. Hein, de là. Il remplit toutes les conditions, tous les critères que tu as énumérés. Ah oui, si. Mais il dit qu'il a envie, en fait, tu comprends ce que veut dire avant le mariage, il est sincère. Ah, il a envie, il est sincère. Moi, je ne peux pas. Même quand tu lis la sincérité sur ses yeux. Je ne peux même pas, parce que l'homme, il peut doter, je dis, même pour divorcer au demain. L'homme est capable de tout, hein. Là, quand il rentre dedans, il rentre dans le trou là. Avec quand il a eu son dose là, il retire les pieds même. Et moi, je ne peux même pas l'oser. D'accord. Pour toutes les personnes qui veulent tenter leur chance, quel message tu as à leur endroit? Tu regardes dans la caméra. Oh, toute personne qui veut tenter ou qui ne veut pas tenter, moi, je ne sais pas quoi vous dire. On est là.
On va faire coucou. Juste coucou. Coucou. C'est fini, non? Les gars qui se regardent là, on dit de faire un petit 360. Tu tournes juste sur toi. Pour qu'ils puissent bien étudier le dossier. Juste, tu prends tout ton temps. Voilà. Tu prends tout ton temps. Il y a les bonnes choses au Bénin, les gars. Si vous avez aimé, lâchez vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup.